Allô, CVCA, hola, oui, c'est ici. Le centre de vaccination contre l'arabophobie. Oui, madame. Je suis bien de votre avis, madame. Il s'agit ni plus ni moins que d'un centre de vaccination contre les abrutis. Oui, madame. Mais le conseil de l'ordre n'a pas cru bon de retenir cette appellation. Alors, merci pour votre rappel. Adios. Allô, CVCA, hola, je vous écoute. Oui, je suis tout ouïe. D'accord, je résume. Vous dites que vous habitez la Seine-Saint-Denis et que vous avez la vive impression d'être envahi par tout ce qui s'appelle arabe et que tous vos proches sont au bord de l'asphyxie. Oui, je vous ai parfaitement compris. Vous me priez d'y passer quelques jours pour changer de vie et d'avis sur ces gens que je défends avec une étrange obstination. Eh bien, j'ai comme l'impression qu'on ne vous l'a pas encore dit, mais nous disposons désormais d'un vaccin contre ce genre d'ineptie. Un bon diagnostic d'abord. Ce ne sont pas les Arabes que vous ne supportez pas, ce sont les pauvres, les miséreux, les malheureux. Alors, à moins que vous l'ignoriez, mais sachez que les plus belles boutiques à Paris, les hôtels les plus chics, les habitations les plus féeriques, sont habitées ou possédées par des Arabes. Le PSG, la seule équipe qui relève la tête du foot français, est financée et gérée par des Arabes. La liste est très longue, mais j'ai pas envie de vous faire saliver. Alors, deux écueils à éviter, les maudire et les envier. Bien, maudire les plus pauvres, envier les plus riches. Oui, c'est d'une affligeante banalité. Ah oui. Eh bien, raison de plus, mon cher monsieur. Mais surtout si c'est aux Émirats arabes que vous gagnez votre vie, vous êtes culotté. Faites attention parce que vous risquez de vous retrouver sans culotte. Alors, que puis-je vous proposer comme traitement? Le moins stupide, je dirais, un déménagement? Allô, CVCA, hola. Oh, c'est vous. Non, vous êtes un coriace. Non, j'ai pas dit que vous étiez à la masse, mais que vous étiez un coriace. Oui, que puis-je encore pour vous? Oui. Vous voulez dire que la pauvreté n'est pas un argument. Ah, les pauvres de chez nous ne sont pas des voyous. J'entends bien. Alors, vous n'êtes pas raciste? Vous êtes racialiste. Eh bien, merci de le préciser parce que la différence ne crève pas le tympan. Alors, je vais vous la faire brève. Les pauvres de chez vous, comme vous dites, ont accès à la culture. Tout ce qui élève est décliné dans leur langue maternelle. Et c'est pas à vous que j'apprendrai que le civisme n'est pas inné, ça s'apprend comme le reste. Donc, il faut donc leur donner ou leur laisser le temps d'apprendre les bonnes manières. Merci pour votre compassion. Allô, CVCA, hola. Bonjour, madame. Oui, je dis hola. Eh bien, car le siège se situe en Espagne, qui a un passé commun avec les Arabes et peut-être aussi un destin commun. Oui. Je note au passage vos doléances. C'est la réforme de l'orthographe qui menace, dites-vous, pas seulement la France, mais la langue française. Et vous incriminez les Arabes. La ministre arabe, l'école sinistrée et la sous-culture de nos banlieues. La disparition de l'accent circonflexe, du trait d'union sont pour vous les figures du déclin de la France et du français. Eh bien, je vais tout de suite vous rassurer, je fais à peu près le même constat que vous. Et j'ai moi aussi retenu les mêmes effets, les mêmes méfaits, mais je n'ai pas du tout retenu les mêmes causes. Les Arabes, en fait, n'y sont pas pour grand-chose. Ils y sont pour rien. Mais c'est la France qui se commercialise. C'est la France qui s'instrumentalise, se vulgarise toute seule pour prendre une plus grande part de marché, pour occuper une place, pour jouer un rôle,
pour être plus accessible et en aval dans un marché global. Mais la France est à vendre. Elle se vend ou répond à ses électeurs, à ses clients, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle n'a plus de gouvernement, mais des marchands qui mangent dans la main des plus offrants. Ah mais vous savez, les Arabes, eux, pour tout l'or du monde, ils n'auraient pas changé une virgule à leur accentuation. Mais pas du tout parce qu'ils y trouvent leur bonheur, parce que c'est une question d'honneur. Bah alors, au lieu de vous inventer un bouc émissaire, eh bien, battez-vous. Battez-vous comme une forcenée pour qu'on ne vous ôte pas votre accent circonflexe. Jamais. Dingue. Allô, CVCA, hola, que tal? Je vous entends 6 sur 5. Alors, c'est la langue arabe échangée à tous les coins de rue qui indispose vos petites oreilles. Ouh, oui, le mal est bien entendu. Non, je rigole. Je veux dire que le bien est mal entendu, toujours. Écoutez, je vais vous prescrire une douce mélodie et une voix qui a trait à l'infini pour vous rendre l'ouïe plus aguerrie. Alors, une seconde, le temps de vous télécharger un petit Marie Kairouz, une chrétienne aussi sensible que vous. Adios.